au cas où, entre un couple, il y a des problèmes et le mari divorce. Il n'a pas le droit de sortir sa femme de chez lui avant les trois périodes de règles. Pendant les trois périodes de règles, c'est lui qui doit dépenser pour elle et il doit la laisser chez lui. Quand les trois périodes de règles elles sont passées, il retourne chez ses parents. Sauf si, hiya hadina, sauf si c'est elle qui a la garde des enfants parce que les enfants sont jeunes et qu'elle n'est pas remariée, donc c'est elle qui a la priorité sur les enfants. Dans ce cas-là, ça incombe au père de payer la maskan, la maison. Car la maison, il la paye pour ses enfants et pour la personne qui les garde. Donc dans ce cas-là, ou bien il leur trouve un appartement ou quelque chose, ou bien c'est lui qui laisse l'appartement et qui part. Si c'est elle qui garde les enfants. Wa'illah, si elle ne garde pas les enfants, alors c'est elle qui retourne chez ses parents, si bien sûr la demeure était au père.